Aujourd'hui, nous allons voir comment retrouver le mot de passe ou du moins l'accès à notre compte Snapchat. La vidéo va se dérouler en deux étapes. La première, on va aborder la récupération d'un mot de passe lorsque cela est possible. Pour la deuxième, si ce n'est pas le cas, on va voir comment récupérer l'accès à notre compte. Donc, pour récupérer votre mot de passe, vous n'avez qu'un seul moyen, c'est de l'avoir noté quelque part ou bien de l'avoir enregistré avec un gestionnaire de mots de passe. Il y en a de toutes sortes et certains même vous l'enregistrent sans que vous n'y prêtiez attention. C'est le cas du gestionnaire présent dans chaque navigateur internet. Pour cet exemple, on va utiliser le navigateur Chrome. En nous rendant dans le gestionnaire à partir des trois points et en descendant dans les paramètres, on sélectionne la rubrique mot de passe. Ici, on peut voir notamment quel site et avec quel identifiant. En appuyant dessus, on a alors accès au mot de passe recherché. Ici, on peut le visualiser et là, le copier dans le presse-papier. Maintenant, on n'a plus qu'à se reconnecter avec ce mot de passe. Si malgré cela, ce n'est pas possible, on peut néanmoins récupérer l'accès à notre compte d'une autre manière. Sur l'écran de connexion Snapchat, on rentre un mauvais mot de passe. Dans cette situation, on peut alors utiliser la fonctionnalité mot de passe oublié. La plateforme nous propose de réinitialiser ce mot de passe en nous demandant sur quel support nous contacter. Pour l'exemple, on choisit par email. On indique l'adresse email utilisée pour ce compte et on valide. Snapchat nous confirme ensuite l'envoi d'un email dans lequel on retrouve un lien de réinitialisation. En cliquant dessus, on arrive sur un nouvel écran nous proposant d'entrer un nouveau mot de passe. On termine avec enregistrer. Après confirmation de ce changement, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer quelque part et à vous reconnecter à votre compte Snapchat. Merci pour ce visionnage. Retrouvez les meilleures vidéos à travers les playlists accessibles dans la description. À très bientôt.